Re-re-re-coucou, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, toujours en ce mercredi 14 2020. J'espère que vous m'entendez très très bien. Je vous ai mis un petit son de bruit de nature, les oiseaux. On se détend. Donc déjà je viens, donc Coralie, vous laissez mon adresse mail. Donc c'est lumière céleste. CELESTE 111, donc 3, qui sont aussi des chiffres qui ont une signification avec les anges, etc. @outlook.fr. Donc je répète, lumière céleste 111, @outlook.fr. Alors, je viens vers vous aussi pour vous dire qu'en fin de compte, je ne suis pas la seule à vous avoir dit certaines choses où on apprend des vérités, comme je dis tout le temps, des mises en lumière ici. Je voulais vous dire aussi, donc, quand je vous parlais aussi qu'il y avait des gens qui n'étaient pas bien, etc., à cause de ces... J'ai pas ressorti les cartes, hein. Manipulation, mensonge, blablabla. En ce qui concerne ce virus. Et autre chose également. Nous sommes en automne, donc je rajouterai que les journées se raccourcissent. Voilà, donc nous avons moins de lumière, donc il y a moins de soleil aussi dans certaines régions. Voilà, il y a moins de soleil dans certaines régions. Les jours se raccourcissent. Voilà, donc le fait qu'on est en manque de lumière aussi. Eh bien, comment dire, il faut savoir que le soleil nous apporte des bonnes vitamines. Et ces vitamines à l'automne et même en hiver, nous les avons, comment dire, moins. D'accord? Donc, il y a beaucoup aussi de personnes qui ne sont pas bien aussi à cause déjà de cette saison. C'est tout un changement. Voilà, comme les arbres qui perdent leurs feuilles, les arbustes de vigne, etc., etc. Donc, c'est un cycle qui change, le cycle des saisons. D'accord? Donc c'est pour ça que souvent l'automne et l'hiver, on a tendance à être un petit peu déprimé, etc. Et en plus avec tout ceci, imaginez-vous bien. Alors je vais vous parler des faits rapides, des choses que j'ai canalisées, mais je vous dirai pas tout d'un seul coup parce que ça fait beaucoup de choses. Pardon. Alors, je vous avais dit qu'il y aurait des mises en lumière. Donc je vous en ai déjà parlé, je le redis encore. L'OMS dit que c'est une grippe maintenant. D'accord? Donc depuis tant que je vous le dis, ce n'est qu'une grippe, ce virus. Ces chiffres, tout ce que vous voyez à la télé, c'est des fake news. Maintenant, on y croit, on n'y croit pas. Je dis aussi bravo donc à la chaîne des clés de Sabine, parce que c'est pareil, elle vous explique depuis un certain nombre de temps que ce n'est qu'une grippette, comme elle dit. Voilà. Et on va parler aussi donc des masques. Et après, on passera à autre chose. D'accord? Donc, il faut, comment dire, regarder aussi mes précédentes vidéos. Voilà. J'ai annoncé plein de choses. Il y a plein de cartes qui sortent. C'est vrai que ça fait beaucoup de cartes. Mais quand on rassemble tout, on arrive à canaliser. Et je vous avais dit que j'avais canalisé certaines choses. Mais ce soir, je ne peux pas vous dire tout parce que ça va vous sembler énorme. Voilà. Donc justement, on est là justement pour lâcher prise, comme je vous ai dit. D'accord? Ce n'est qu'une grippe. D'accord? Nous sommes manipulés. Hein? J'arrête pas de sortir la carte de la manipulation, mensonge, hypocrisie, etc. Il y a des personnes qui sont en souffrance. Voilà, il y a des cœurs brisés, etc., etc. Donc, toutes ces choses-là qui se révèlent petit à petit, je vous avais dit qu'elles seront mises en lumière. Il y aura des mises en lumière. D'accord? Et je vous dirais aussi que le mois de décembre, c'est le mois du jugement. D'accord? Je dis juste le jugement, vous prenez les choses comme vous le voulez. D'accord? Donc, je donne raison aussi en ce qui concerne les clés de Sabine qui parlent depuis un moment des masques. Voilà. Et si vous vous rappelez,
Je vous ai présenté des masques qu'une personne m'avait fait et m'avait envoyé en tissu. Donc, voilà, c'est comme ça ne risque rien. D'accord? Vous avez aussi les masques, vous savez, chirurgicaux, etc., etc. Et si on regarde en arrière sur des vidéos, je vous avais dit, ça, ce sont des masques. Oui, ils sont presque jaunes parce que je ne m'en sers plus. Je ne m'en sers pas, pardon, excusez-moi. Je les ai jamais mis parce que je n'avais pas confiance. Et j'ai bien senti. J'ai bien senti qu'il se tramerait quelque chose sous les masques également. Maintenant, on y croit ou on n'y croit pas. Voilà. Pour moi toute seule, une, deux, que je ne dise pas de bêtises, trois, quatre, ouais, cinq ou six. Bref, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup parce que la première fois, on n'avait le droit qu'un masque. Et ce masque, je ne l'ai jamais mis non plus. J'ai toujours mis les masques en tissu qu'une personne a confectionné d'elle-même et qui m'a été envoyé des Landes. Et d'ailleurs, j'avais fait un partage de vidéo dessus pour la remercier de sa gentillesse parce qu'elle en avait fait plusieurs. Voilà. Donc, j'avais pas choisi les petits ramages, etc. Là, j'aime bien. Voilà. Il y en a eu d'autres aussi. Donc, on parlerait. Donc, comment s'appelle la chaîne sur YouTube, Les Clés de Sabine, avait bien vu aussi. Peut-être que c'est pas les bons masques, je ne sais pas. Mais il y a des masques en tissu qu'on a eu par le gouvernement qui ne sont pas bons. Donc il y a des mises en lumière. Donc il ne faut pas non plus avoir peur. Voilà. Parce qu'on attise toujours aussi la peur. Donc je vous ai dit qu'il y aurait des mises en lumière. Et depuis très longtemps, si on retourne, même si c'est des simples cartes, secret, mise en lumière, abat les masques. D'accord? Sur pas mal de choses. Donc voilà, donc j'ai même répondu sur la chaîne de YouTube Les Clés de Sabine. J'ai marqué même que nous avions vu juste et comment dire, et nous ne sommes pas des complotistes. Voilà. Quand on cherche des preuves, on trouve. Donc il faut chercher les bonnes infos également et puis avoir des ressentis. Je vous avais parlé de 2020-2021. D'accord? Automne, hiver. Écroulement peut-être économique. Je vous avais parlé aussi de une grande chaîne qui serait connue de comment dire de grande surface hein, qui va tomber. D'accord. Voilà. Au niveau sismique, à chaque fois, je ressors ces cartes-là. La purification, ça fait un certain temps que je vous dis que les pôles de la Terre sont en train de s'inverser. Et la Terre est en train de se purification. Voilà pourquoi toujours beaucoup de feu, beaucoup d'eau, des choses foudroyantes au niveau sismique, au niveau volcan, etc., etc. Toujours cette carte de fatalité. Là, du coup, oui, effectivement, Geneviève, j'avais pas vu que j'avais fait des petits sapins, donc ça représente des arbres, pardon, et c'est là qu'il y a eu le feu. Je ressors aussi ces cartes-là, vous voyez. Pour moi, c'est quelque chose de dévastateur. Ça peut être des tornades, ça peut être plein de choses. Donc, la terre est en train de se purifier, d'accord? Que je dise bien les choses comme il faut. Donc, en ce qui concerne l'OMS qui dit que c'est une simple grippe, on retourne un petit peu sa veste là, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a des mises en lumière, mais il faut chercher les bonnes infos. Voilà. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, donc bienvenue aussi aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Il faut parfois aller rechercher dans les précédentes vidéos et voir rassembler les pulls de toutes ces cartes que je ressors à chaque fois. Donc, à chaque fois, j'ai pas sorti, je me sortais tout le temps la justice. D'accord? Donc, la justice. Et pour le mois de décembre, on nous parle, c'est le mois du jugement. D'accord? Je vous avais dit qu'il y aurait un écroulement au niveau de l'État, etc. Et pas qu'en France. Vous allez comprendre. Donc, voilà pourquoi toujours cette justice qui sort. Alors, en 2020, alors je ne sais pas si je dois tout dire, j'en sais rien. Je vais peut-être commencer par déjà des choses dans l'ordre parce que j'ai tout noté ce que j'ai canalisé.
Donc, je vous avais parlé une fois avec cette carte d'énergie, quelque chose qui aurait un lien avec tout ce qui est électricité, etc. D'accord? Donc, il se peut qu'il y ait une centrale nucléaire qui, vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas vous dire où. Donc, je sors tout le temps l'eau, donc j'ai choisi celle-ci. Alors, on peut l'interpréter aussi comme on veut, hein. Il y a plusieurs mots-clés dans cette carte, notamment aussi avec le graphisme, les dessins, etc. Et le feu, d'accord? Et des choses qui vont arriver rapidement. Je vous avais dit qu'il y aurait du mouvement dans les rues, donc en 2021, d'accord? Je parle du peuple, des gilets jaunes, mais pas que. Donc, je ne sais pas si on va me croire ou pas. Donc, en 2020, je vois des grandes villes à feu et à sang. On parle aussi de volcans en Italie. Donc, je ne sais pas lequel. On parle aussi d'explosions en Italie. On parle aussi de Rome à feu et à sang. On parle aussi de la capitale de Londres. Et tout va partir de Marseille. Tout va partir de Marseille. Donc j'espère me tromper. Quand je parle de tout va partir de Marseille, c'est genre une petite révolution. Et enfin voilà. J'avais sorti donc aussi à plusieurs reprises l'étranger et la France. D'accord? Toujours les nouvelles. Donc ça, c'est ce qui concerne la santé. Il va y avoir des révélations. Très bientôt. Mais pas que. Quand je sors la carte de l'étranger, et puis là, la femme représente la France ou une autre personne. D'accord? Et toujours cette carte des villes, pour moi, ça me parle des grandes villes. D'accord? J'avais dit même à plusieurs reprises, éviter de rester dans des grandes villes. Il y avait des cartes toutes simples que j'ai confectionnées, mais tout simplement. Voilà, je reste très humble parce que c'est très simple, mais elle parle très très bien. Parti. Pour moi, c'est un signe. Je le prends comme un signe. Donc, on parle aussi, je suis désolée. On parle aussi quelque chose de foudroyant. On parle aussi de volcan en France. D'accord? Ou je ne sais pas. On parle aussi donc de cette peut-être centrale nucléaire ou quelque chose qui est lié donc à l'énergie, aux énergies. D'accord? Donc je vous avais dit pour les certaines personnes, s'il y en a qui veulent faire des provisions, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui avez le libre choix. Je ne savais pas si je devais vous dire tout ceci ce soir parce qu'on va apprendre des choses. Voilà, et bref. Catastrophe naturelle, je vois aussi des séismes. D'accord? Donc, je vous avais dit qu'il y aurait aussi, il y a quelque temps de ça, un écroulement de grandes surfaces. Alors, je ne sais pas si c'est une grande surface ou plusieurs grandes surfaces. On parle de 2020. Alors, est-ce que c'est 2020, 2021? Je ne peux pas vous dire parce que le temps, etc., est toujours automne, hiver 2020, 2021. Je vous avais dit qu'on voyait ça, voilà. Donc, écroulement, donc, aussi, donc, comment dire, dans une grande surface, une chaîne ou plusieurs grandes surfaces, je ne peux pas vous dire. Alors, à chaque fois, je sortais aussi l'ordre. La carte de l'ordre. Je vous ai dit des mots-clés. Armée et ordre, c'est la police. Il se peut que ceux-ci vont rejoindre le peuple. On parle aussi des intempéries donc à l'étranger. Voilà, puisque le pôle est en train de s'inverser. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir pas mal de choses parce que la Terre est en train de se purifier. Franchement, je pense que j'aurais dû attendre pour vous dire ceci. Donc j'espère vraiment me tromper. On aurait peut-être de l'aide aussi d'un autre pays. D'accord? Après, pour les personnes qui croient ou qui n'y croient pas, j'y ai toujours cru.
On me parle aussi de vaisseaux spatiaux. On commence à dévoiler des choses. On y croit, on n'y croit pas, on lâche prise. Donc j'ai tout noté ce que j'ai canalisé. Le mois de décembre sera le mois de jugement. D'accord? En 2021, nous aurons un grand professeur qui va parler, qui va faire des mises en lumière ici, donc ici, sur la santé. Je vous avais dit qu'il y aurait énormément de mises en lumière. Mises en lumière, révélations. D'accord? Toujours avec d'autres cartes aussi. Ces mises en lumière, ces secrets, et comme on dit, à bas les masques. Donc, il y a une personne, un grand professeur, je pense qu'il va nous dire certaines choses, une vérité sur ce virus, donc des mises en lumière. Je vous avais dit que, donc je n'espère pas non plus, je vous avais dit que je ne voyais pas les vacances de cet hiver, donc les fêtes de Noël, de fin d'année, qui ne seront pas comme les autres. Voilà. Ce que j'ai canalisé, c'est une capitale qui va être endommagée. D'accord? Je vous avais dit que la 5G, ça ne marcherait pas. Ça va pas passer, ça va être détruit, ça va être... voilà. On m'a parlé aussi de médecine quantique. D'accord? En 2001, on me parle aussi de fin de personnes haut placées, des mises en lumière. D'accord? Comme je vous l'avais dit. Fin de personnes haut placées. Les gilets jaunes seront plus présents en 2020, donc le peuple, un peu partout. Dans un pays, on me parle aussi d'un risque d'explosion, je ne sais pas. Voilà. Quelque chose qui va être foudroyant avec la carte de la fatalité. Et 2021, on me parle, comme je vous avais dit, un écroulement au niveau de l'État, un changement de république. Je vous avais dit certaines choses avant aussi vis-à-vis de ceci. D'accord? Donc, voilà. Et puis aussi un écroulement aussi au niveau, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. La carte que je vous sors des fois, l'avion. Donc au niveau des avions, il va y avoir un écroulement, tout ce qui est aérien. D'accord? Donc ça fait quand même pas mal de choses. Ça fait pas mal de choses. Donc je vous parlais de ce que je vous ai dit il y a pas très longtemps. Et j'ai reçu des canalisations. Voilà. Quand même assez, quand même. Assez quand même conséquente et j'espère vraiment vraiment me tromper. Je ne pensais pas vous dire tout ceci là ce soir. Et la carte de soutien, qu'elle sorte comme je l'ai faite ainsi ou comme il y a dans d'autres oracles, il y aura du soutien. D'accord? Alors merci à Esprit Cool. Donc oui, j'ai bien reçu les mails. Donc c'est vrai, j'ai vu voilà là, une rébellion donc à Paris, des personnes qui s'adressent au président. Voilà, on parle aussi de l'écosystème, etc., etc. Alors je ne sais pas dans quel arrondissement et quand est-ce que ça a été fait. Voilà, mais ça me parle d'un arrondissement de Paris. Comme je vous avais parlé. J'ai bien reçu le mail, opération psychologique à l'échelle mondiale parce que c'est anxiogène. J'arrête pas de vous sortir la carte de la manipulation, du mensonge, de la trahison. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, souvent, ça ressort dans mes tirages. D'accord? Et je vous ai dit, regardez la Suède, pardon. Regardez comment ils vivent. Ils vivent normalement, tout simplement. Donc, vous allez apprendre des choses ce soir. Donc, comme je dis, lâchez prise sur tout ceci, d'accord? C'est, comment vous dire, c'est de la manipulation. J'ai pas ressorti toutes les cartes. C'est de la manipulation. On nous ment depuis très, très, très longtemps. Mais même quand je dis longtemps, c'est il y a des années, même en arrière. Il va y avoir beaucoup de mises en lumière, d'accord? Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit.
Donc, depuis tant que je vous dis que ce virus, il existe, mais c'est comme une grippe, d'accord? Quand on vous montre des images dans certains, comment dire, médias à la télé, surtout sur BFM Télé, il ne faut pas regarder parce que c'est même pas la peine. Vous écoutez ça une matinée ou une journée, là, c'est sûr que vous êtes déprimé. Les faux chiffres, tout ça, ça va être dit. Il va y avoir plein de mises en lumière, d'accord? Mais il faut encore un peu patienter. Par contre, c'est vrai qu'au niveau sismique, etc., catastrophe naturelle, oui, la Terre est en train de se purifier. Voilà. Voilà pourquoi je sortais aussi beaucoup de cartes de violence. Là, il y a la méchanceté, il y a l'agressivité, etc., etc. Mais il va y avoir pas mal de choses naturelles. Quand je vous disais, je sens aussi l'eau, l'eau froide, le feu, le feu. Je sortais souvent cette carte-là, quelque chose qui peut être foudroyant, quelque chose qui va être une fatalité. De toute façon, ce qui se passe actuellement, c'est une fatalité, mais c'est de la manipulation. C'est pas grave si je dis des choses et que ça passe, ça ne passe pas, c'est pas grave. Mais c'est vrai que quand je ressors tout le temps cette fatalité, la purification, d'accord, je vois des volcans là. Volonté, on parle de volonté, mais on parle aussi de volcan et pas que, et des choses qui vont être dévastateurs. Voilà, ça se trouve qu'il y a même une île française qui va être aussi atteinte d'une catastrophe. Je peux pas vous dire, je ne sais pas si c'est l'eau, l'air. Voilà, parce que quand on regarde cette carte, même si je l'ai faite toute simple, pour moi, ici on voit le. On voit la terre ici, mais on voit l'air. C'est dans l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc j'ai répondu à quelques petits messages. Voilà. Donc merci Esprit Cool. Voilà, ça m'a bien parlé. Donc merci. Ça prouve, comment dire, ce que j'annonce. Voilà. Ça prouve ce que j'annonce. Je vais vous laisser, je ne vais pas rester trop longtemps. Mais bon, la carte de l'économie, on va vous parler de plus de chômage, etc., etc. Et je le répète ici, automne-hiver 2020-2021. Voilà, je vous fais des bisous. Quoi que vous entendiez ce soir, on lâche prise, d'accord? Et on reste bien ancré, on reste bien, comment dire. Je vais les ressortir de moi-même parce que c'est un lien aussi avec l'argent, tout ce qui se passe. D'accord? Là, je ressors encore la carte de. Enfin, on a la carte de l'espoir et on a la carte du blocage pour ce soir, les annonces. D'accord? Je sortais souvent cette carte de beaucoup de changements, de bien s'ancrer aussi, comme je vous avais dit. D'accord? Ici. Et retrouver aussi les plaisirs de la vie. Combien de fois que cette carte est sortie? On attise la peur, d'accord? Blablabla. Cette carte du travail est sortie aussi. Hein, je vous avais dit qu'on apprendrait de plus en plus de chômage, etc., etc. Qu'il y aurait des mises en lumière, des vérités dites. Difficulté, ça me parle aussi de l'ombre et de la lumière, de la dualité. Ici, là, je sors de mon plein gré. Hein. Et combien de fois elles sont sorties à chaque fois? D'accord? Donc je vais en rester là. Je vous fais des bisous et surtout gardez votre calme, soyez zen. Voilà. Quand je vous disais que j'étais anti-masque, c'était pas pour rien non plus. Maintenant, je sais qu'il y a des anti-masques. Il y en a qui sont pour le port du masque. Il y en a qui sont pour, comme on dit, anti-vaccin. Et d'autres pour le vaccin. Que ce soit aussi pour la grippe ou pour les enfants, etc., etc., etc. Vous savez, les vaccins, maintenant, que l'on fait aux enfants, je trouve que c'est énorme. Hein. Énorme, beaucoup de vaccins. Voilà. Alors je ne sais pas si je vous l'ai dit,
Quand je vous disais, peut-être que je vais me répéter, peu importe, pour changer un petit peu, quand je vous disais que des fois je mangeais aussi un peu, pas des heures vraiment précises, c'est dû aussi à mes horaires vis-à-vis de mon travail. Voilà. Je peux avoir des horaires tardives, finir très tard, le temps de rentrer chez moi en transport, sortir Nouki, etc., etc. Des fois, je mange très tard le midi. Voilà. J'ai des horaires un peu décalés, j'ai des horaires qui sont aléatoires. Donc, bah des fois, je ne mange pas à la même heure que tout le monde. Voilà, tout simplement. Donc, prenez le plus possible de soleil. Profitez, pour les personnes qui ont le soleil dans leur région, leur département. Le soleil apporte de bonnes vitamines. Ça fait du bien, surtout au moral aussi. D'accord? Voilà, le moral, gardez le cap. Gardez le cap, être ancré sur... être ancré, comment dire, être ancré, garder le cap, comment dire, en vous, lâcher prise sur tout ceci, et voilà. Donc, merci, esprit cool. Geneviève, en fin de compte, quelque part, oui, j'avais dit ce que j'ai dit, mais j'avais sorti la carte de l'eau. Je vous ai dit, je sens aussi de l'eau froide, de l'eau froide, de l'eau froide. Donc, ça a peut-être un lien avec aussi ce que vous m'avez dit par commentaire. D'accord? Donc, je pense que j'ai fait le tour. J'ai encore des choses à dire, mais je ne vais pas tout dire ce soir. Voilà. Donc, on va retirer, hop, ces cartes. On va rester sur ce Bouddha. Voilà. Et on va se détendre pour les annonces. Voilà. Et puis, je vous embrasse. Je vous fais des bisous. Et je vous retrouve très bientôt. Allez, je vous fais des bisous. Ce ne sont que des cartes. Vous prenez ce qui résonne, vous prenez ce qui résonne en vous. Vous lâchez prise sur ce qui ne résonne pas en vous. D'accord? Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une agréable soirée. Il me reste deux roses. Là, elles sont pour vous. Avec toujours la petite bougie allumée. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Je vous embrasse.